Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Rasius et nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode numéro 25 de notre aventure sur Kingdom Hearts 2 Final Mix. J'espère que vous allez bien, pour ma part je suis encore un tout petit peu malade, mais pas suffisamment pour m'empêcher de tourner et d'essayer de faire les voix de manière correcte. Du coup, on se retrouve sur l'Atlas du jeu, parce que lors de la fin du dernier épisode, on s'était quitté dans l'Atlas, après avoir fui à Glaba pour éviter de perdre des jauges de fusion. Il se trouve que j'ai oublié de sauvegarder, donc du coup j'ai dû refaire un petit peu le passage, c'est pour ça que le temps de jeu correspond pas vraiment à ce qu'on a... au temps de jeu qu'on a accordé à ce monde, hein, dans le dernier épisode, tout simplement. Et donc du coup, bah, écoutez, on va reprendre là où on en était, donc c'est-à-dire après avoir franchi les sentinelles de Rock. Donc pour rappel, dans le dernier épisode, nous étions arrivés à Graba, tout simplement, et Iago, ici présent, nous a dit s'être échappé de la lampe dans laquelle nous avions enfermé Jafar, et il tenait absolument, Iago, à s'excuser de tous les maux qu'il nous avait causés lors de Kingdom Hearts 1, ce à quoi, bah, écoutez, tout simplement, on avait accepté de croire si jamais il nous aidait à récupérer la lampe de Jafar qui est en circulation, ce qui peut être très très dangereux. Donc du coup, écoutez, on va avancer plus loin dans la caverne aux merveilles pour récupérer un trésor et pouvoir l'offrir au marchand qui détient actuellement la lampe de Jafar. Voilà. Ok, donc salle de l'épreuve, très bien. Donc, du coup, on va terminer l'épreuve dans le temps imparti. Ah bah c'est parti, écoutez, on y va. Ok, terrasse tous les ennemis. Ok, d'accord, donc du coup... Oh, ceux-là, je les aime pas du tout, ceux-là. Ceux-là, je ne les aime pas du tout. J'ai de très très mauvais souvenirs dans 358 sur 2 Days avec eux. Oula, alors là, va pas falloir oublier de ramasser les pièces de puzzle si on en a. Ok. Hop, oula, bonjour toi. Salut mon gros. Hop là, allez, on l'enchaîne, tant qu'il est de dos. Oula, et ça, on peut pas le parer, malheureusement. Alors, on va lui balancer des glaciers, écoutez, je pense que c'est le plus simple. Voilà, cadeau. Ah, ici, on a une pièce de puzzle. Vive la vie, vive la vie. C'est vachement mieux. C'est vachement mieux la vie que la mort. Ça paraît logique, comme ça. Wow. Oula, on a eu chaud aux fesses, là, c'est le cas de le dire. Oula. Alors, j'aimerais bien que ma magie revienne. Ah, d'accord. Et si j'attaque, non, il va pas vouloir se faire attaquer gentiment. Alors, il faut aller au milieu. Voilà, comme ça, on a récupéré la dernière pièce. Hop là, allez, et on termine cela. Allez vite, mince. À chaque fois on est en l'air, du coup on n'a pas la possibilité de faire le final. Hop là, allez, on se remet comme ça. Hop là, heureusement on a eu le temps de se mettre en vaillance. Ok, c'est bon, terminé. Allez, vite, on va faire la même astuce que lors de la fin de l'épisode dernier. On va partir sur de l'Atlas, histoire de ne pas perdre notre jauge de fusion. Et ensuite, on revient là où nous étions. Ok, super. Récupérons les petits coffres qui nous sont offerts. Donc un bonus PC et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La carte de la caverne aux merveilles, d'accord. Donc, c'est très bien. Vainqueur de l'épreuve, grande est ta force. Wow. Should do it. Huh?
Sure looks valuable. Great. Now let's go get that lamp. We gotta keep Jafar bottled up, or he's gonna destroy Agrabah. Hey! Snap out of it, Donald! Très bien, donc du coup on va devoir éliminer tous ces petits sans-cœur qui nous ont été envoyés par ce filou de comment qu'il s'appelle. Alors vite hop, on va utiliser les commandes réaction histoire d'éviter de prendre trop de points de dégâts. C'est un peu le bordel là. Wow 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 wow. Hop là, allez on enchaîne, on comprend rien à ce qui se passe, on marque juste la touche attaque. Wow wow wow, il y a quand même pas mal de sans-cœur. Heureusement ils ont pas trop de PV. Oula, alors là par contre. Hop là, raté, raté, raté. Alors, est-ce qu'on pourrait pas utiliser une petite coopération, s'il vous plaît? Genre... batting, hop. Hop là. Hop là, allez, on termine ça. Wow, super sympathique. Cette coopération. Et boum, terminé. Oh, ou d'un groupe qui apprend auto-soin, je pense que ça nous sera très très pratique ça. Let's go. Hello? Stop your whining and hand it over! Oh no, I'm trading it for treasure. This lamp is going to bring me riches. Oh, no, you don't know! Get back here, you little... Très bien, donc on va évidemment aller aider ce pauvre petit marchand à qui on doit un trésor. Mais avant ça, on va donc aller récupérer des petits objets, parce que vous vous souvenez, lors de l'épisode précédent, alors j'ai laissé comme c'était, hein, même si on me l'avait dit depuis, on m'a donc dit qu'il fallait utiliser la capacité brasier pour récupérer ces petites pièces de puzzle, voilà, donc du coup on va faire magie et puis brasier et boum, et voilà, du coup comme ça c'est le seul moyen en fait de détruire ces échoppes. Alors par contre, ces petits sans-cœurs de nerfs là, si on pouvait les s'en occuper ça serait cool. Et là du coup on va balancer des petits glaciers. Il faut que je prenne l'habitude d'utiliser le miroir plus souvent, parce que c'est vraiment une compétence utile apparemment, et dont je ne me sers pas assez. Donc il y avait un autre petit objet. Alors c'est pas par ici de mémoire, le plus simple c'est le plus facile d'accès en passant par là. Zou zou zou. Cadeau, 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 cadeau. Du coup, on va passer par ici. Et il y avait un autre échoppe qui nous cachait un objet. Voilà, bah écoutez, juste ici. Donc du coup, on va utiliser brasier. Voilà. Et donc du coup, on peut récupérer ça. Hop là. Alors, c'est comment? C'est triangle pour faire un miroir. Ouais, d'accord, c'est triangle. Et donc du coup par contre pour celui-là je ne me souviens pas qu'on m'ait donné d'indice pour celui qu'on voit là juste en face de nous. Et donc du coup tout ça ça sert à rien, on a déjà récupéré tous les coffres. Le farming c'est bien mais pas pour les épisodes. Et donc du coup on va aller on va rattraper Pat. J'aurais bien aimé avoir toute ma mana avant. Non c'était pas celui-là, je voulais faire triangle. Ouh là là, il fait quelques dégâts celui-là. Ah dommage. Alors j'ai vu qu'on avait un combo qui permettait d'envoyer les ennemis en l'air. C'était je crois 3 fois croix et 1 fois carré. Par contre ça n'est pas utilisable lorsqu'on est... ok, allez vas-y, vite.
Et boum, voilà, capote. Ok, donc on va vite s'échapper. Est-ce qu'on peut passer dans la... truc du marchand, dans la boutique du marchand? Il faut qu'on régénère un petit peu. Enfin, faut pas qu'on perde cette jeu de fusion. Ah mais c'est bon, ok. Donc il y a des endroits, en fait, les endroits safe, comme ça, où juste y aller, ça suffit pour récupérer toute notre... Enfin, pour faire comme si on avait quitté le monde et comme si on était revenu. Alors, j'ai pas acheté ce qu'on avait acheté dans le dernier épisode, je me souviens plus trop ce que c'était. Enfin bref, du coup, c'est pas trop grave. Ah non, je crois qu'on avait synthétisé des objets. Voilà, on avait synthétisé des objets. Mais bon, de toute manière, pour le moment, on est bien, là, on est bien comme ça. Faudra peut-être juste que je mette auto-soin à notre cher Donald. Dingo, pardon. Hop là. Oulala, oulalalala, oulalalala. Hop là. Et petit coup de glacier, voilà. Dernière chance. Ah, ça par contre, on va se l'équiper. Notre dernière chance à ce cher Sora. Wow, ça c'était un petit peu chaud à prononcer. Alors, c'est par là, voilà. Je veux juste récupérer ma mana. Alors, start, compétences, voyons voir un petit peu. Invocation auto, non. Par contre, booster invocation non plus. Et dernière chance, 4 points. On en a 3, donc du coup, il faut ajouter un bonus PC. Dingo, auto, soin, ça fait quoi? Permet de redonner automatiquement des HP à un personnage pendant qu'un autre prend sa place. Ça, c'est très très bien, ça. Ça, c'est très très bien. Et pour le coup, Dingo, on va pas lui mettre des bonus PC parce que... Alors, c'est Dingo, pas Donald. Parce qu'on a justement un anostrier qui donne 4 points. Ah mais non, du coup il gagnera que 2 parce qu'il en a déjà plus 2. Ok. Mais au pire, on va lui mettre ça. Il va perdre un point d'attaque. Et on va lui mettre un bonus PC. Comme ça, ce sera déjà ça d'économiser. Parce que regardez, on en a déjà plus que 12. Alors, j'avais dit 1 sur Sora et 1 sur Dingo. Et voilà. Compétences, Dingo et auto-soin. Activé. Ziou. Et notre cher Sora. Voilà, dernière chance. Activé. Ce qui fait que du coup. Si on résistera à 1 PV si jamais un combo devrait nous one shot. Si on est full life, je crois que c'est ça. Hein. Si on est full life donc et qu'on se fait enchaîner et qu'on devait crever avec cet enchaînement, et ben en fait on crève pas. On a le droit d'essayer de se soigner. Bon du coup ceux-là on va les ignorer parce que je suppose qu'on va en avoir un petit peu plus loin. Thank you. Lamphog, go away. Gotcha. No fair. I win. Huh? Oh. Nice one, Iago. Way to go. Don't drop that. Look behind you. Nice try, bird brain. Just wait till Jafar's free. He's gonna make one beauty of a heartless. Princely little muffin, you. Cosmic travel can get so lonely without a friend. Good thing I left you forlorn and genieless. Oh, the humanity! Genie? Al, have you been putting on weight? Oh, of course. What am I saying? You're living at the palace now. Aladdin. Jasmine. I can just picture it. Wait, tell me, am I being a pest? Just a big blue pest? Oh, who cares, Al? I'm just so glad to see you! Genie. I'll teach you to make a fool out of me!
Time for plan B. I'm finishing you mugs off right now. Ouh là 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 là, d'accord, donc du coup on va avoir le droit à un très très beau combat. Hop, petite commande réaction et boum, cadeau. Hop là, est-ce qu'on peut les enchaîner bien comme il faut à la Keyblade? Ouais, ça m'a l'air un bon plan ça. Alors, givre au tir. D'accord, c'est... D'accord, non, c'est pas ça, c'était pas vraiment... Je crois que je me suis un petit peu loupé. Mais bon, heureusement, on a ce qu'il faut. Hop là, vite, et boum. Voilà. Pour le moment, on n'a pas pris un poil de dégâts. Donc c'est plutôt bien. Alors, moi, c'est l'autre que je voudrais viser. Non, je peux pas. D'accord, en fait, il faut le finir, lui. Bon, ça y est. Bon, du coup, on a pris nos points de dégâts. Hop là, on le part, celui-là, et on l'envoie sur son copain. Hop là. Hop là, allez, celui-là, on n'a pas fait encore sa commande réaction. Ok, c'est à peu près le même genre que pour le mec de feu. Hop là, allez, on l'enchaîne, on le termine. Mais du coup c'est un petit peu... Hop là, voilà, vite, on part ça et on le renvoie sur son compagnon. Hop là, allez. Ouh là là là. Oula, alors vite, est-ce qu'on peut pas casser ça? Ah non, d'accord, on va peut-être pas le faire tout de suite. On va d'abord s'occuper de lui. Hop là. Et... Alors, faut faire attention au feu par terre. Hop là, allez, c'est fini là, c'est bon, c'est fini. Oui, c'est fini. Bon, écoutez, c'est fun comme combat. Pas très difficile, mais fun. Time. I'm gonna get you yet. Yeah! All right. Donnez-moi une autre chance, je vous décevrai pas, j'aurai craché. Jasmine, tu crois que tu peux lui faire confiance? Yago nous a prouvé sa sincérité, non? Oui, tu as sans doute raison. Et puis un perroquet, c'est pas bien dangereux, non? Là, je suis bien d'accord avec toi. Qu'allez-vous faire maintenant, Sora? Eh bien, on a été ravis de vous revoir, mais on doit repartir à la recherche de Riku et du roi. J'espère que vous les retrouverez. Moi aussi. Il est parti vers la ville, à la poursuite d'Abou. Il ne devrait plus tarder. Vous ne pouvez pas partir sans lui avoir dit au revoir. Je vais le chercher, ne bougez pas. Stolen it from the Cave of Wonders. I guess some things are just hard to resist. Ah,
crazy and push the cat stuck. What? Sora? What is it? I think it's time for us to go. Will you be back? We will. I promise. Oh, un joli petit pendentif. Ça, c'est pas cool. Maybe waiting isn't good enough. My thoughts exactly. If you have a dream, don't wait, act. One of life's little rules. You got it memorized? Who are you? Axel. I happen to be an acquaintance of Sora's. Why don't we go see him? Sora? We've got something in common, Kairi. You and I both miss someone we care about. Hey, I feel like we're friends already. You're not acting very friendly. Hey, what is this place? You okay? What? You and that dog came flying out of a hole in the wall. He nearly gave us heart attacks. Très bien, donc du coup on nous dit qu'on peut aller voir la cité du crépuscule, mais les amis, ça ne sera pas pour tout de suite, mais genre pas du tout pour tout de suite, parce que avant ça, alors déjà le niveau de combat est assez élevé, même si on n'est pas si loin que ça, on a d'abord la cité d'Halloween, ainsi que la, cette petite truc là que vous reconnaissez sans doute. Enfin bref, on a deux mondes à explorer avant d'y aller, ce sont des mondes entre guillemets optionnels, on pourrait rusher et aller voir la cité du crépuscule, mais j'ai envie d'explorer un petit peu, et puis surtout, voilà, moi je peux pas passer à côté de la cité d'Halloween,
La ville d'Halloween, je ne peux tout simplement pas. Et du coup, je me suis posé une question pendant la cinématique. Est-ce que Pluto ne serait pas l'être le plus puissant de Kingdom Hearts? Étant donné qu'il se retrouve toujours dans tous les mondes sans avoir... Enfin, sans qu'on nous explique réellement ses capacités à voyager de monde en monde. Hein, parce que à la fin de Kingdom Hearts 1, il est dans un monde où se retrouvent Donald, Sora et Dingo pour leur donner une lettre. Ensuite, il va dans la cité du crépuscule. Et puis après, il va à Illusio. Il va dans la ville qu'on vient de voir actuellement. Il va. Enfin bref, il se balade comme il veut à travers les mondes. Donc du coup, la question est posée. Comment est-ce qu'il fait pour voyager et surtout, est-ce que ça n'est pas l'un des êtres les plus puissants de cette saga? Et pour terminer là-dessus, les amis, on va retourner dans la caverne aux merveilles parce que tout simplement, nous avons des petits objets à aller récupérer dans cette salle au trésor. Voilà, donc évidemment, là, on a les... on peut également aller s'occuper de ces espèces de bolets noirs un petit peu bizarres. Mais pour le moment, alors, j'aimerais bien déjà... Alors, je pense qu'il va falloir faire une fusion de vaillance. Voilà, allons, on se dépêche. Vaillance. Non mais... Alors, je t'explique la vie à mon grand. Voilà, merci. Du coup, bon ça va, on devrait avoir le temps de ramasser les coffres et tous les trucs et de se barrer. Donc on a une gêne de sérénité ici, mais on a plus rien à voir. Attendez, si on appuie là-dessus, c'est ici que se trouvait le joyau. Ok, super. Là, il y a un autre petit coffre. Ici, il n'y a rien de spécial. Par contre, là, voilà, il y a une autre pièce de puzzle. Et lui, écoutez, on ne peut pas encore l'affronter, donc du coup, on va repartir sur l'Atlas et terminer cet épisode, parce que tout simplement, ben voilà, hein, c'est l'heure de se quitter, les amis. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas faire la bêtise, je vais sauvegarder. Et puis, voilà, je sauvegarde tant que j'y pense, et puis ensuite, on va quitter donc ce monde et puis se laisser. J'espère donc que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc pour ça, vous pouvez toujours utiliser les commentaires et les pouces bleus. Vous commencez à en avoir l'habitude. Et puis si jamais ça vous intéresse, vous pouvez également venir me suivre sur Twitter, Facebook. Les liens sont dans la description. Il y a également Google+, dans la description, que vous pouvez utiliser. Et du coup, là, effectivement, tout le monde a un compte, même si on s'en sert pas beaucoup. Tout le monde a un compte. Donc pour tous ceux qui me disent « Ouais, j'ai pas Twitter, j'ai pas Facebook. Comment est-ce que je fais pour suivre ton actu, genre quand t'annonces tes lives ou quoi ?» Eh bien, vous pouvez toujours aller sur Google+. Effectivement, s'il y a des gens qui suivent ma page, ben, je prendrai l'habitude de communiquer là-dessus aussi. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à utiliser cette plateforme, tout simplement, dont on est ravis absolument de se moquer, hein, et c'est normal parce que... Voilà, nous forcer à aller sur une plateforme, c'est pas super, super, super sympa de la part de Google. Mais du coup, ça peut toujours être pratique, hein, parce que tout le monde a forcément un compte Google+, si vous pouvez écrire dans les commentaires de YouTube. Et donc du coup, ça peut être un moyen très très pratique pour communiquer, si jamais, tout simplement. Du coup, voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite, et donc pour la cité d'Halloween. Je vous dis donc à très bientôt et puis d'ici là, prenez soin de vous. Bye.